Bonjour, bonjour à tous. Seed trading avec vous. Ok, là, je suis sur le Shiba. D'accord. Donc là, on est arrivé sur Shiba uniquement sur la zone des 50%. D'accord. Juste sur la zone des 50. Et normalement, sur la zone des 50, ni on achète, ni on vend. Pour votre information, la ligne des 50, c'est les 47. Donc là, pour l'instant, on va juste observer. On est en mode observation. Car il peut descendre encore beaucoup plus bas, les amis. On est rentré, on a la zone bleue, la ligne blanche, elle est juste là. Donc là, on est sur les 47. Donc soyez un peu patient. D'accord? C'est ici. Regardez. On est juste ici. D'accord? Donc là, j'ai une descente, une remontée. D'accord? J'ai tracé mon Fibonacci continuité de tendance. Et il me donne, regardez, le 1,618 à 25,40. Mon 1,414 à 31,99. Mon 27,2 à 36,57. Donc soyez patient. On vient juste de passer. Regardez, on est juste sur la ligne des 50. D'accord? On va rentrer en discount dans la zone ici. Zone blanche, zone blanche 44,71. Zone jaune, ligne jaune 38,73. Et bien sûr, on a un potentiel. Ce serait top qu'il vienne à 25,40. Donc si vous rentrez ici, si vous achetez du Shiba, bah faites-le en DCA. Vous rentrez une partie, s'il redescend, vous rachetez encore une partie et encore une partie. Ok, on peut faire du DCA sur ici. La rentrée ici en DCA si vous voulez. Ou sinon, vous êtes patient et vous attendez la cause. Pour l'instant, je n'ai pas de cause. Regardez, j'ai juste une chute. Ici, une réaction haussière. Une chute. Donc j'ai juste une chute pour l'instant. Je n'ai pas de cause qui se met en place. Il faut que j'attende une cause. Une cause, ça, c'est une cause. Si j'ai pas de cause qui se crée, pour l'instant, il n'y a pas de signal. Il n'y a rien du tout pour l'instant. On a juste atteint la ligne des 50 et on va passer en dessous de la ligne des 50. On est passé en dessus. On a juste réagi un petit peu, car les gens, ils sont tellement pressés de rentrer en achat. Et ben, qu'ils achètent. Donc, ça crée des petits paliers. Voilà, nous on est un peu plus d'accord, un peu plus précis. Et ben, on va attendre. Regardez, il y a le volume ici acheteur, il y a du volume acheteur qui est rentré. Ok, mais je vous ai dit sur la ligne des 50 ici, de préférence, moi j'achète pas. Ni j'achète ni je vends sur la ligne des 50, pour votre information. Je patiente, la patience, c'est l'art du trading. Ok? Mais rien ne vous empêche de faire du DCA. Vous rentrez en spot, jouez pas les malins, faites pas du levier. Ok, faites pas du levier. Patientez, attendez le bon moment. Là, notre Fibo nous donne 36,57, 33,99, 25,40. Voilà la zone. On peut aller jusqu'à 25,40. La continuité de tendance. Ok? Rien n'empêche, mais pour l'instant, donc j'attends qu'il devienne ici dans les deux lignes. Donc les deux lignes 44,71, 38,73. Quand je vais voir qu'il me décide une cause, là je vais prendre ma décision. Pour l'instant, j'ai juste une descente verticale. J'ai rien d'autre. Ok? Donc j'attends la cause. Voilà pour la petite explication. Bisous à tous. Ciao, ciao.